C'est l'idée de trans, de traverser, hein, de surmonter des obstacles, d'avancer en surmontant des obstacles, qui serait le tra qu'on retrouve dans le travel anglais, qui en effet serait plus probablement l'étymologie du mot que celui de tripalium avec son i qui serait devenu un a, on ne sait pas très bien comment, et puis aucune lettre qui correspond non plus derrière. Vous voyez, il y a aussi une difficulté de passer de tripalium à travail, quand même finalement peu de lettres communes. Dans notre société, le travail est très valorisé. À l'école, il faut travailler. Après ses études, il faut travailler. Et si on est au chômage, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Il faut vite retrouver du travail. On parle d'ailleurs de la valeur travail. Le problème, c'est que le terme lui-même a plusieurs sens. En fait, le travail, avec ses 88 synonymes, charrie un nombre de significations incroyables qui, chacune elle-même, est porteuse de valeurs très, très différentes. Donc, de mon point de vue, l'idée qu'il puisse y avoir une valeur travail au singulier relève de l'arnaque morale. Judith Butler le dit très bien, l'intérêt de dénaturaliser un mot qui est surtout un mot qui est aussi central que celui de travail, c'est de s'en émanciper, hein, de s'émanciper à la fois de la confusion, de la polysémie et de la confusion aussi morale que charrie, hein, ce terme-là, et de s'autoriser à déplier le mot pour le repenser à nouveau frais. Différents sens apparaissent clairement dans les travaux de Karl Marx, qui est sans doute l'auteur qui a le plus influencé les manières contemporaines de penser le travail. Lui-même a pu entretenir une certaine confusion, puisqu'il utilise le même mot, Arbeit, en allemand, pour dire deux choses très différentes. Il désignait en réalité deux choses. L'une qu'il a décrite comme étant, on pourrait dire, l'activité, dont il disait que c'est la vie, donc avec des pages très élogieuses, hein, sur l'importance de l'activité dans une tradition, on pourrait dire, hegélienne, hein, qu'il fait évoluer, mais cette idée que faire quelque chose, se confronter au réel, surmonter ses obstacles, hein, c'est quelque chose de vital et d'extrêmement important pour l'être humain. Mais Marx, avec les mêmes mots, évoque également le travail comme emploi. Hein, l'emploi qui, à son époque en particulier, prenait des formes parfois monstrueuses et dont il disait qu'il fallait absolument s'en débarrasser, hein, d'une certaine critique très très forte de ce travail-là. Mais le problème, hein, comme disait d'ailleurs son traducteur, Engels, c'est qu'il employait le même mot pour parler de l'activité ou de l'emploi, avec donc certains commentateurs de Marx qui disaient « mais Marx s'est contredit, il fait l'éloge du travail et en même temps il rêve de sa disparition ». On voit là ce que peut la polysémie d'un mot, hein, dans son usage scientifique ou même militant.